Bonjour, alors on se retrouve pour une petite carte Chabi, donc sur le thème de Noël. J'espère que ça va vous plaire. Alors, moi c'est la troisième vidéo que je fais aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai pris du cardstock comme ça. En fait, c'est de... comment? Du bloc... toujours d'Action Noël, là, le rose, celui qui était rose. Et donc, j'ai pris un morceau de papier comme ça que j'ai déchiré, que j'ai gratté et j'ai ancré en vert. Parce que j'avais envie de faire du vert. Donc, voilà. Pour commencer, Stéphanie Élise, hein, si je me souviens bien, elle m'avait offert du tulle comme ça, qui brille. Et du coup, je vais le mettre... là, alors je le plie en deux et je vais le placer là en bas, mais en faisant des froufrous. Donc voilà, je vais essayer que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc je mets du double face qui est assez fin. J'espère que ma carte va vous plaire. Et en vert, je trouve que ça change. Autant utiliser comment, les papiers qu'on a. C'est un vert très pâle hein, quand même. Donc voilà, donc je vais hop, faire mes froufrous comme ça. J'espère que vous voyez à peu près. Hop, je coupe. Donc voilà. Ensuite, je prends de la dentelle comme ça blanche et je vais rajouter par-dessus ma colle. Donc voilà. Et par-dessus, je prends ruban blanc un peu argenté. Et je vais le tourner comme ça. Alors, je vais déjà recoller un peu. Non, d'abord, oulala, je vais faire des bêtises. D'abord, je mets mon papier. Je mets déjà mon papier là en bas. Donc, je vais tout le coller. J'ai ma colle qui coule. Voilà. Alors, voilà, je mets mon papier par-dessus.
je vais prendre des petits. Alors. Les petites branches là. Là. Et j'ai pris de la compresse. Je l'ai ancré en vert, un vert un petit peu plus foncé que mon fond là. Donc je vais le coller là. Mais oh là là, je sais pas ce qui est. Ça coule, ça coule. On va faire comme ça. Voilà. Alors. Donc je le mets comme ça et après je vais lui faire des petits plis. Hop. Voilà, ce qui donne à peu près ça. Enfin, à peu près, ce qui donne ça. Hein. C'est pas du à peu près, c'est voilà. Oh, non mais regardez-moi ça, elle coule. Je sais pas pourquoi. Hein. Donc voilà, donc maintenant je vais mettre mes petites branches. Hop, je mets de la colle là en bas. Je les ai fait un peu grandes. Hop. Voilà. Et là, je vais en mettre une. Comme ça, dans le milieu. Voilà, à peu près là, comme ça. C'est pénible, cette colle-là. J'ai un tube, ça sort tout seul. Donc, hop, donc voilà ce qui donne ça. Ensuite, je vais prendre mon ruban et je vais l'enrouler comme ça. Et je le mets là en bas. Je le serre pas trop fort.
Donc voilà, là par contre, je suis obligée d'attendre un petit peu que ça colle. Hop. Voilà ce qui donne ça. Et là, on va y mettre une petite fleur comme ça en vert là en bas. J'ai pris vert, vous pouvez prendre une autre couleur. Moi, j'avais envie de faire du vert. Et du coup, voilà. Ça change. Donc voilà ce qui fait ça. Et là, je vais rajouter ma petite image. Donc j'ai pris une image comme ça et j'ai fait un petit encadrement. Voilà, j'ai mis du glitter comme ça. Celui-là, là, qui est pailleté. Donc j'ai mis juste un petit peu là au bord et j'ai mis de la mousse 3D pour le mettre de travers comme ça. Donc voilà. Et naturellement, je vais la mettre un peu de travers. Voilà ce qui donne ça. En haut, je vais remettre de la dentelle. Donc c'est la même que de celle en bas, hein, que celle en bas. Par contre, je vais la froisser. Là, je reprends mon double face. Alors, voilà. Donc je refais mes. Vous savez, c'est comme ça. Voilà, vous pliez, hop, et c'est ce qui vous donne les froufrous, on va dire. Je m'excuse. Eh ben dis donc. Alors, hop, j'ai des petites chaînes comme ça. Donc, je vais en mettre. Là, je pense. Je sais pas si je mets les trois. Ouais, peut-être.
les trois comme ça. Voilà. Donc je me mets à peu près là. Par contre, il va falloir que j'attende que ça colle un peu. Là. Je les mets droite et hop. Je les tourne une fois. Bon, je colle. C'est pénible, cette colle. Alors, et de 1 et de 2. S'il reste collé à mes doigts, ça ne va pas le faire. Et voilà, comme ça. Voilà. Par-dessus, je vais mettre là un petit morceau de ruban, comme ça, juste là-dessus. Donc du ruban blanc. Ça c'est descend là. Voilà. Donc voilà ce qui donne ça. Et on va rajouter je vais mettre des étoiles comme ça, juste là. Par là au milieu. Donc voilà, on va mettre des strass comme ça qui brillent. Alors,
Non, c'est pas après mon doigt qu'il faut que ça se colle. Hop. Il m'en reste une, je vais la mettre par là. Voilà. Donc voilà ce qui donne ça. Après, on aurait pu rajouter des étoiles, des choses comme ça. Et toujours dans mes glitters là, alors là, je n'ai pas fait tomber, j'en ai mis là-dedans. Donc c'est du gris pailleté. Et j'en mets un peu sur. Alors après, il faut bien laisser sécher, mais j'en mets un peu dessus là. La compresse, je trouve que ça fait du brillant, j'aime beaucoup. Alors, je mets vraiment des petits coups, enfin, c'est très fin, quoi. C'est pour ça que j'ai fait les plis, en fait. Comme je sais où les mettre, en fait, hein. Mais après, je laisse bien sécher. Voilà pour ma petite carte. Hop. Alors, là, si vous voulez, vous pouvez mettre un sentiment, rajouter des petites étoiles ou des strass. Après, c'est comme... comme vous avez envie, voilà, si vous n'avez pas de tulle, vous pouvez mettre que de la dentelle. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien avec le tulle, là, je trouve que c'est ça, que, ouais, c'est joli, quoi. Voilà, et puis, je l'ai, donc autant m'en servir. En plus, il est tout pailleté, je trouve ça super joli. Donc voilà, j'espère que ma petite carte Chabi vous plaira, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.